Salut les cravistes et salut Max. Donc voilà, bah ça fait un an que les vidéos sont sorties. Tenue spéciale Halloween pour fêter les vêtements. Donc sur cette première vidéo, je vais vous parler un petit peu de ce qui m'a amené au Krav Maga. Donc parlons peu, parlons Krav. Bon, bah c'est pas compliqué en fait, je démarrais, je faisais de l'aïkido. Je fais beaucoup d'aïkido quand j'étais jeune, je préparais la ceinture marron noir et puis bon, la fac, les examens, j'ai dû arrêter en cours de route. Ensuite j'ai fait mes classes, je suis parti dans l'armée, j'ai fait mes 11 ans, donc j'ai démarré mes formations en sport de combat là-bas. Petit à petit je suis devenu moniteur, je commençais à encadrer les formations et des instructeurs à filer des cours. Petit à petit, j'ai pu intégrer des formations d'instructeurs. Donc là, c'est moi qui chapeautais toutes les missions au niveau du régiment pour ce qui était formation et encadrement des élèves. Et une fois que je me suis retrouvé instructeur, et bien plus personne n'était là pour me corriger. Et vous savez ce que c'est, quand on fait un sport, on a toujours besoin de quelqu'un au-dessus avec son petit œil bienveillant pour corriger un petit peu les erreurs, les imperfections et nous remettre toujours dans le droit chemin. Donc là, j'ai commencé à chercher un petit peu ce qu'il y avait autour du régiment. Et là, j'ai rencontré mon professeur, celui que je suis toujours, qui je vais voir régulièrement, Sébastien Ribaud, à côté d'Agen. Il avait son club. Là-bas, j'ai rencontré le Krav Maga, la discipline en elle-même, qui était assez similaire à ce que je pratiquais au niveau du régiment, en tant que technique d'intervention ou combat corps à corps. Et j'y suis resté. Ça fait maintenant 10 ans que j'y suis, et je ne suis pas prêt d'arrêter. Voilà, vous venez de voir la première vidéo sur la thématique Parlons Krav. Donc il va y en avoir un petit peu plus cette année, où je vous expliquerai un petit peu ce que je pense du Krav Maga, pourquoi je l'enseigne et pourquoi je continue toujours à en faire. Donc pensez à vous abonner, à nous suivre sur powercraft.fr pour avoir toutes les infos. Toutes les vidéos sont sur la chaîne YouTube, pensez à vous abonner pour les voir. La prochaine vidéo sera sur quel est selon moi l'objectif du Krav Maga. A très vite.